Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Auto-électricien. Donc aujourd'hui, je vais présenter une vidéo qui concerne particulièrement les calculateurs de boîte. Voilà, comme vous voyez là, j'ai trois calculateurs qui sont différents, qui se montent sur des voitures différentes. Dans cette partie-là, je voulais vous me proposer plutôt des réparations. Et également de clonage, c'est-à-dire de la programmation des boîtes. Du coup, on a trois calculateurs de trois catégories de véhicules. On a le calculateur de Porsche Cayenne, Porsche Macan, tout ce qui, comme il s'appelle, Q5, Q7, Audi A6 également, tout ce qui est boîte automatique. On a également comme il s'appelle les DSJ7, DSJ6, les boîtes de Audi, Volkswagen, tout le groupe Touran, comme ça s'appelle Golf, toute cette série-là. En tout cas, DSJ6, DSJ7. Là-dessus, c'est pareil, propose des réparations, soit des programmations. Voilà. Troisième calculateur, on part toujours deux boîtes. Hein. Il n'y a aucun moment, je parle de calculateur moteur. Là, je parle uniquement de calculateur de boîte automatique. Là, nous avons une platine de calculateur CVT, c'est-à-dire calculateur classe 1 ou classe B. C'est la même chose. Pareil, je suis occupé pour faire ce genre d'opération. Voilà, si vous avez besoin d'aide. La réparation ou soit la programmation après avoir changé le calculateur de boîte. Du coup, je te laisse pas mal de matériel. Bon, aujourd'hui, c'est pas le but de vous montrer le branchement, le clonage, le matériel. Je suis plutôt là pour vous proposer le service. Ici, c'est comment s'appelle la partie Mercedes, ce que je parlais tout à l'heure. Les CVT Mercedes classe A, classe B. Après, sur ce programme-là, bon, ça ne concerne pas. Ça ne concerne pas vraiment pour ce mode d'opération. Ce qui nous concerne plutôt uniquement le codage. Voilà, uniquement le codage. Du coup, mes amis, je suis à votre service. Tout ce qui concerne les DSJ7, DSJ6, les CVT, boîte automatique. Comme ça s'appelle également les Porsche Macan, Q7, enfin, tout ce qui est groupe Q200 et Q250. Oui, je vais faire la liste certainement. Voilà. Ce qui concerne la programmation, il y a deux méthodes de programmation. Il y a la méthode en ligne, il y a la méthode de flash. C'est en fonction de besoin, c'est-à-dire est-ce que vous avez changé le calculateur ou pas, est-ce qu'il est défectueux ou pas, s'il est défectueux, du coup, il va falloir faire une programmation online, et s'il n'est pas défectueux, du coup, on peut faire une programmation online, ça dépend de chacun de ses problèmes. Voilà, le petit tuto, il parle plutôt de proposition de service. Comme d'habitude, on va revenir toujours au problème de platine CVT Mercedes, réparation, programmation. Les DSG, c'est pareil. Il y a la réparation également de mécatronique. Ici, on a le même système, mais c'est un petit peu particulier par rapport aux DSG et CVT. C'est plutôt la partie boîte qui se met en défaut, soit la partie électronique. La partie électronique, c'est à l'intérieur. Voilà. Souvent, on a un problème intérieur. Voilà, mes amis, si vous voulez. Le téléphone qui sonne. Donc, c'est ça que je voulais vous proposer. Après, il y aura d'autres vidéos. On va parler sur la suite, c'est-à-dire sur comment faire une programmation. Et comment
La question des les branchements, c'est-à-dire la méthode de branchement avec boot mode, avec online. On verra ça prochainement. Voilà, mes amis. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à bientôt. Merci.